chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bah, entre le pauvre et le riche, si une personne doit aller en enfer, c'est le pauvre. Ah. Pourquoi? Quel qu'en soit ce que tes parents t'ont fait, tu leur dois la vie. Ah bon? En vrai? Donc quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, et qu'aujourd'hui tu as réussi, hein? Tu leur dois la vie. Tu leur dois la réussite. Tu les dois tout, même s'ils ont fait quelque chose pour toi ou pas. C'est vrai. Oh mon ami, toi qui bavardes même là, tu es quoi? Tu as même d'abord quoi? Je préfère vivre 2 jours comme un lion au lieu de vivre 1000 ans comme une souris. Ah bon, hein? GLC. Là, c'est la GLC 300. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Moi-même, je suis étonné. Ben, et bien. Je me démarre tout souvent. Souvent, 1 million, tu restes comme ça. Ok, Aïcha, c'est quoi encore? Les choses du pays, tu ne veux pas parler. Tu sais ton coach que wow, je ne veux parler en Kondengi. Wow, je ne veux parler à New Ben. Maman, tu as compris. C'est pour cette raison qu'on ferme nos... qu'on augmente les prix. Alors, c'est ça. Mais les jours de ténèbres, quand tu te retrouves à parler seul. Maman, tu as le cœur de parler parce que tu es de l'autre côté. Ici, là. Souvent, tu dis que nos dirigeants, là, je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont encore fait quoi, maman? Il a dit qu'au Cameroun, on dit que le péage, pour quitter Douala, Poala, Bafoussam, j'ai payé 3 fois le péage, mais les routes, alors. Donc, c'est seulement pour les routes que tu bavardes comme ça. Les frais de visa pour aller dans mon pays d'origine va être... les frais de visa qui étaient à 65 euros va être à 190 euros. Hey! C'est grave. Maman, est-ce que tu es au courant que la vignette est passée de 25 à 50 000 francs? L'heure est grave. Je te dis que c'est grave. La visite technique était à 9 000 et poussière là. C'est maintenant à 17 000 quelque chose. Wamba! Ce n'est pas bon. Nous sommes en larmes. Ça nous dépasse. Hein? Non, moi ça me dépasse. Ma chaîne ne tient plus. Je t'assure Aïcha, c'est la magie ici. Vous allez vous crier que le prix de la tomate, le prix de ceci, le prix de cela a grimpé. GLC. Là c'est la GLC 300. Ah bon, hein? Ouais les gars, je préfère vivre 2 jours comme un lion. Au lieu de vivre 1000 ans comme un chat. Godness. Mon grand, un jour on sera aussi comme toi là. Je te dis que... yo, je suis le général Franco. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Aide-moi à partager cette vidéo pour m'encourager parce que ça va... péter. Hein? Ça va péter. Ça va péter. Ouais, venez. Vanessa, mets-nous un petit show là avant la suite. Mana konulinga o nani na o o ni awe bu konise lo gongtinang gongtinang rampli le talang mana konulinga o ne vayange lukange galang tout le monde connaît l'intelligence et la diligence du camer mana konulinga mes doigts sur la guitare je monte à la Côte d'Ivoire connaît des frères on n'a pas besoin de division. Non, ça va mon frère, tu chantes tellement bien au point où on peut oublier nos problèmes ici. Hein? Ah, ah. Quoi? C'est vrai. Donnez-moi mon passeport. Hey, laissez les gens. Restez là, vous pleurez le prix de la tomate, le prix de l'huile, le prix de la farine. Vous mourrez comme des serpents. Vous pensez que quand on bavarde là, c'est pour nous? Quand elle parle là, c'est parce qu'elle mange jusqu'à ce que j'ai envie de rôter. Mon frère. Je ne sais pas. Souvent, je ne veux pas parler des choses du Cameroun. Je dis que vraiment, ça ne me concerne pas. Aïcha, je sens que tu as trop mal. Hein. Maman, appelle, c'est l'abcès, non? Je vous rappelle, ceux qui n'ont pas déposé la titre foncier. En janvier, il y a une nouvelle taxe là qui va aussi augmenter. Hein. Je vous rappelle déjà. Nous sommes déjà en janvier. Tu parles de quelle taxe, maman? Ceux qui n'ont pas... tout le monde qui est dans la diaspora, qui a acheté un terrain au Cameroun. Qui n'a pas encore déposé son titre foncier. Il y a une loi là qui va passer. Ah bon? Le 1er janvier. Donc si tu n'as pas encore déposé l'argent... l'argent de quoi encore? Pour ton... donc si tu as encore le dossier technique à main, tu n'as pas déposé l'argent pour le titre foncier. Ça qu'en janvier, tu vas payer le double. Ah, quoi? Ça c'est quel pays? Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Point d'interrogation. Aïcha, j'espère que ce que tu parles là est vrai. Je vous dis. Oh. Ah, ok, si tu confirmes, c'est encore plus bon. Comme vous êtes dans les alcools, vous buvez, vous oubliez même certaines priorités, le foot est fini. Réfléchissez un peu. Les gars, réfléchissez bien. Et n'oubliez pas surtout
Si vous êtes dans le besoin des travaux d'infographie, de l'imprimerie, du secrétariat, ainsi que de la photographie, contactez Yoko Service. C'est quoi Yoko Service? Yoko Service est une nouvelle structure spécialisée dans le laboratoire photo. Donc pour tous ceux-là qui veulent imprimer les photos dans leur téléphone, si les téléphones sont saturés, vous voulez laver vos photos, venez rapidement à Yoko Service. Si vous avez un problème de banderoles, si vous voulez imprimer vos banderoles, vos flyers, vos calendriers, vos faits-pas, si vous avez besoin de concevoir les billets d'invitation pour vos événements, mariage, baptême, anniversaire et autres, vous désirez faire des impressions sur des t-shirts, un peu comme le général Franco, comme vous voyez là, Franco le mignon, venez tout simplement à Yoko Service, c'est la solution. Yoko Service est situé à Yaoundé, Ngousso, juste à 100 mètres la totale, sur la route des Leveurs. Appelez rapidement le contact, il s'affiche pour avoir plus d'informations. Ok. Mais moi, hein. Aïcha. On augmente les prix des choses comme ça, c'est pour quel projet? Si on pouvait nous demander autant de frais comme ça, mm-hmm. Et qu'on voit comment il y a les infrastructures dans notre pays, et qu'on voit comment les choses changent, mm-hmm. Honnêtement, hein, moi ça m'aurait plu. Tu as la même pensée que moi. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? La mère, tu comprends ce qu'elle dit là? Non, vraiment, je prie le gouvernement, on doit voir aussi comment pouvoir s'en sortir quoi. Ah, et toi le père? Il faudrait que vraiment qu'on vende ce pays pour nous partager l'argent. Salut là. Et maman. Vraiment. On a deux pays, mon frère. Tu es seul dans ta tête, là. Sa tête ne... Momo ne tient pas bien. Vraiment, c'est ce pays vraiment nous déçoit. On va te faire ton bien lent. Hein? Mais bien lent, il se goulou. Oh, arrêtez comme ça. Mais c'est inconcevable. Hey, donc c'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est vrai. C'est vraiment inconcevable. On peut plus conserver ça. Mais vous savez ce qui m'attriste le plus? Jamais. Vous savez ce qui m'attriste le plus? Jamais de la vie. C'est que mes frères camerounais adorent ça. Comment ça? Ils aiment ça. Mon petit, tu aimes aussi ça? Comme des princes. Quoi? N'importe quoi. Spaghetti sauté vient de ma couronne. Piment. Un cœur. Vraiment, c'est ça qui nous retient encore au pays. Continue. Tu es dans la voiture. Si tu n'as pas de 4x4, il y a des quartiers dans lesquels tu ne peux même pas atterrir. Mais Aïcha, tu étais au pays récemment, non? Tu n'as pas parlé de tous nos problèmes quand tu étais ici, comment? Et vous étiez au pays, vous voulez un peu parler, ça m'a dit que maman, tu vas parler cela comme ça, on va te porter, on va te mettre en connexion. Tu vas dire que tu parlais de quoi? Ah, tu comprends maintenant la raison pour laquelle nous-mêmes nous... Quitte là-bas. Pourquoi alors nous abandonner le pays? Beaucoup ne sont pas venus en Europe parce qu'ils voulaient venir en Europe, hein. C'est les conditions. Chacun est bien chez soi. N'est-ce pas? Chacun est bien chez soi. C'est vrai. En vrai. Beaucoup ne sont pas venus parce que nous, on voulait venir. Pourquoi? Mais parce que les conditions de vie nous imposaient. Oh, ça va. On a compris, non? Oh, pays. Je suis père. Et à cette allure-ci, qu'est-ce qu'on doit faire, le père? Vraiment, ça nous dépasse. On aussi, là, on observe. Puisque le gouvernement, on ne peut pas aussi réagir que, mais comment est-ce que... Vraiment. Le gouvernement doit augmenter les salaires. Hey, mon frère, ce qui doit venir, venira. Amen. Si la vidéo t'a intéressé, abonne-toi, partage pour m'encourager. On doit lui soulever jusqu'au ciel. Pasto, sors-nous quelques pas de danse là pour clôturer. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.